Avant c'était les freestyle, après les classes, on se mesurait par les poids des mômeurs sur leur taille. J'étais réputé le mec des terribles phrases. Sans tarder le public m'a hissé en première place. Pique pas la grosse carafe, touche d'abord les nuages. A chaque fois je monte une marche, c'est la rue qui me bague. N'espère pas ma vue, non si tu tiens sur une table. Les MC de ma zone s'éteignent, y'a qu'un seul coupable. Et c'est pile poil sur le Dave, on tient le rêve perché au bout du émissaire. C'est pour Zoui. Tourne vers ici. Tourne vers comme ça, mais. Et là, tu vas passer à la télé. La maman Lou Brown. C'est la famille. C'est la femme qui s'est battue pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est la femme qui s'est battue pour que j'ai le flow que j'ai aujourd'hui. Ouais, je c'est ta maman également. Check ça. Hein? C'est ta maman également. Ouais, ça peut être sa mère aussi. C'est bon. Donc voilà. C'est chez elle que j'ai monté le studio. Attends, c'est elle qui m'a permis de le faire. Le temps de trouver un truc perso, quoi, tu vois. Que je... Bon, bien que tu veux. Donc il reste ça que je dois faire. On va dans cette porte, ils sont dans les yeux. C'est quand même un bon travail. C'est pas facile de me rejoindre, c'est dur. Ah. Pas du tout facile, hein. Pas du tout facile. On en veut montrer ça comme il a dit. Ça fait presque. Deux ans. Ouais. 2 ans. Zoom ça se poursuit, c'est dans Fan Holiday, c'est sur la tête V2, à la découverte d'un arrangeur plutôt de son, celui qui tient les rênes de la Guad impériale. Alors bienvenue dans le studio, un studio qui n'est pas encore prêt, un studio qui est en train de se former petit à petit, donc nous allons visiter tout de suite. Alors, viens avec nous. Yo, on est très musculé. Alors, bienvenue dans les locaux du Royal Monkey Beats, okay. Le singe royal. Nous, on va maintenant s'intéresser un peu à la Guad impériale. C'est quoi exactement la GI? La GI, c'est un crew à la base. C'est pas encore un label. On n'a pas cette prétention-là de dire qu'on est un label. C'est pas encore un label. On produit personne. Mais c'est un crew, c'est-à-dire c'est un rassemblement de talents. Un collectif. Un collectif, une sorte de collectif d'artistes, de beatmakers, que ce soit de breakdancers, de streetdancers ou d'infographes, etc. Okay? Donc on essaie de faire tout notre possible pour donner une couleur. Donc je disais, voilà, c'était un crew qui rassemblait toutes ces personnes-là. Maintenant, on essaie de travailler ensemble, on essaie de donner une couleur hip-hop. Donc, l'objectif de la garde impériale, c'est de montrer le hip-hop sous une autre forme, c'est-à-dire de prouver que le Togo peut émerger au niveau hip-hop, qu'on peut vivre de la musique hip-hop, okay? Qu'on peut vivre de notre art. Donc, bon, je parle aussi en même temps pour les artistes en général, les artistes togolais en général. Je souhaite que chacun puisse vivre de son art quand même. Donc, si au cours de notre projet dans la garde impériale, avec les efforts que nous allons faire, un producteur déniche un talent. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Ouais.
la TV2 en direct avec l'émission Fan Holidays, la rubrique Zoom qui va à la découverte d'un acteur du showbiz. On est avec Lou Brown, on est dans son studio qui est en finition. Voilà. Gwen, tu vas me dire un peu quelle est la liaison qui lie Gwen et Lou Brown? Bah, à la base, je pourrais dire qu'on s'est rencontrés comme ça sur un coup du sort. Ouais. Lou Brown, c'est un frangin. Au-delà d'être un frangin, il me conseille aussi bien. C'est quelqu'un qui se respecte, et moi j'aime travailler avec ceux qui se respectent. Et puis bon voilà, il est devenu un grand frère, et sa maman est devenue comme ma maman. Ma maman est devenue comme sa maman, et puis bon voilà, la famille est formée comme ça. Il y en a qui racontent en ville hein, que Lou Brown il est compliqué, et tu veux travailler avec Lou Brown, c'est carrément autre chose et tout, il se prend la tête, il se prend comme le beatmaker le plus puissant de la capitale et tout. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bon, écoutez, la rigueur est une chose. Alors dire que quelqu'un est arrogant, c'en est une autre. Ouais, justement. Alors, comme tu viens de le dire tout à l'heure, c'est forcément tout le monde en parle, mais quand ils viennent avec nous, c'est pareil avec moi aussi, on dit genre Gwen il est ci, Gwen il est ça. C'est ceux qui ne me connaissent pas qui disent ça. Ceux qui ne le connaissent pas diront autant. Mais moi avec Brown, on s'entend parfaitement bien. Et s'il y a des gars qui passent et qui viennent travailler avec nous, à la longue, après ils disent mais franchement, on nous a dit vous êtes ci, vous êtes ça, mais avec vous, c'est pas le cas. Ouais. Voilà. C'est comme ça, quoi. Tout le monde prétend connaître, tout le monde prétend dire des choses. Ouais. Sauf que Lou Brown, il n'est pas arrogant, il n'est pas, je dirais, je vais pas le cataloguer comme quelqu'un qui est trop toute là, mais bon, il est rigoureux, je suis rigoureux aussi, ouais. Et puis on n'est pas hypocrite, voilà, on est tout direct, okay. Très direct. Alors, un conseil, pourquoi pas à Lou Brown? Un conseil? Ouais. C'est que bon voilà, actuellement, le conseil je l'ai déjà donné parce que depuis un temps on dort plus, on a perdu la notion du sommeil. Bon voilà, nous on dort plus. C'est, le conseil c'est que bon voilà, frangin, qu'on dorme jamais, jusqu'à la mort. On va mourir, on va dormir là-bas, bon voilà. Merci, merci à toi. Allez, merci à la TV2, ouais. Check ça.